Coucou tout le monde! Alors comment ça va? Coucou Nan, c'était toujours là. Hop, voilà. Attendez. Voilà. Ah, mais on est bien là. Voilà, on va continuer Pokémon. Hein. J'aimerais bien. Alors je pense pas qu'on pourra le finir ce soir, ça serait trop gros. Il reste quand même encore pas mal de. Pas mal de, bah de trucs à faire, je pense, mais en tout cas, bien avancer, faire au moins la moitié de ce qui reste, ça serait une bonne chose. Ah, voilà, on s'est arrêté. Bon, j'ai un peu de pognon, ça peu importe. 12 heures de jeu, et j'avais donc les 6 premiers badges. Maintenant, là. Maintenant, va surtout falloir que j'aille chercher la CS Surf pour pouvoir aller dans l'eau. Et vol aussi, ça m'aiderait beaucoup à me balader. Alors Vol, on m'avait filé quelques conseils, donc on va aller vérifier. Et voici ma team. Alors je me bats surtout pour l'instant avec 3 Pokémon. Un Raichu 41, un Léviator 42 et mon petit Dracaufeu 50. Voilà où on s'est arrêté. On s'est arrêté bah, pile... On venait donc de débloquer le sixième badge qui... L'arène était là. Voilà. Et du coup, on va faire un petit tour avant de se barrer d'ici. Au parc Safari, il me semble que c'est comme ça. Où il y a des Pokémon rares, tout ça, bah, j'aimerais bien aller faire un tour. Donc on va y aller. Ah oui, alors j'ai que des Super Balls, j'avais pas des. Ah si, j'ai des Hyper Balls. Ok, ça, très important. Alors c'est qui? C'est Julio qui a coupé. Voilà. C'est encore. Ah, c'est pas pratique pour accéder au parc. Faudrait peut-être penser à ranger tout ça. Alors, je crois que c'est ici. Bien... Ah, voilà, c'est ça. Parc Safari. Pour juste 500, tu peux attraper autant de Pokémon qu'il te plaira dans le parc. Qu'en dis-tu? Bah, on paye. Seul un certain type de Pokéball est utilisé ici. Ah, d'accord, ok. Ça, je ne savais pas. J'utiliserai le haut-parleur lorsque ton temps ou tes Safari Balls seront épuisés. Ah, parce qu'il y a un temps. Ok. Astuce. Appuyez sur Start pour consulter la montre. Effectivement. C'est 500 pas, j'imagine. C'est même pas une montre. Abri. Voilà. Je capture des Pokémon pour les offrir. Ouais, bah, c'est cool. Où est Nico, mon petit ami? Coucou Thieb, comment vas-tu? Ouah, ça va direct. Oh, c'est un petit Mimitos d'entrée. Ah, comment ça marche? Donc j'imagine qu'un caillou, ça fait du dégât. Non, ah pas. Mange. De flûte, il s'est libéré. Mais comment ça marche? Ok. Bon, déjà, on a un Mimitos. Coucou Cerbère. Ah, t'es en vacances, Thieb. Bah, c'est cool. Bah, moi, ça va bien. Et... Moi, j'ai beaucoup bougé ces derniers temps, mais... Mais du coup, là ça va mieux. Encore un petit peu crevé, mais ça le fait. Alors, est-ce que c'est grand ici? J'ai pas l'impression quand même. Ah, il y a l'air d'avoir plusieurs zones. Je me demande si je peux pêcher, genre. Est-ce que ça marche? J'aime bien tester des trucs. On va bien voir. Même pas une touche. Ok. Si, je l'ai fait quand j'étais gamin. C'était il y a 15 ans. Un peu plus même, je suis sûr. C'est possible que ce soit plus. Je sais pas.
Anidorina. J'en ai pas, j'ai. Je sais même plus si c'est un Nidoran mâle ou femelle que j'ai. Il faut leur donner quelque chose. On va la pâter. Du coup, c'était il y a longtemps. En 3 lives de 6 heures, c'est même pas vrai, Namoker. Oh là là, quelle mauvaise foi de cet homme. J'ai que 12 heures de jeu, donc c'est pas possible. Bon, les cailloux, bah, vas-y. Bon, bah, enfuis-toi. Je ne te veux pas. Parc central, Nord Park 2. Ah, du carbone, ça c'est plutôt sympa. Ah ouais, il y avait des mini-dracos ici. Ok. Ah, pas difficile de capturer, mais moins de chances qu'il fuit. Un caillou facilite la capture, mais s'enfuit plus souvent. Eh ben, t'en connais des choses, serveur. Merci bien. Une petite CT, c'est cool. Ok. Abri. Alors qu'est-ce qu'on a? T'en as capturé combien? Moi je suis naze. J'ai trouvé un Levenard. J'ai bien fait de chercher pendant 4 heures. J'en ai marre. Ouais, le Levenard, je crois que c'est très très rare, hein. Bon, ça on a déjà, on s'en fout. Non, j'ai dit on s'en fout. Oh non, et puis là ça va le capturer. Ah non, bon ça va. J'avais pas envie d'avoir un doublon. Surtout en paras, quoi. Astuce, le temps s'écoule en fonction des pas. J'aurais bien aimé aller chercher la. Bon, on y va. Ouf. Un Kangourex. Un petit caillou. Ah, elle a pas aimé le caillou. Son astuce mania. Ah putain. Ok, potion max. Oh, ça passe tellement vite, 500 pas, tu déconnes ou quoi? Oh, cool, ça j'aimerais bien. Je tente la technique du caillou, hein, on verra bien. Bon, pour les trucs rares, ça a pas l'air super ouf. Astuce, découvrez la cabane secrète et gagnez une CS. Intéressant. En voilà une info. Mais bon, je vais bientôt me faire avoir là au niveau des pas, non? En plus, là, il n'y a rien. C'est fini! Le safari est terminé! Allez, à plus tard. Ouais, mais non. Moi, je veux refaire. Alors, on m'a parlé d'une CS, ça, c'est bon. Alors. Je sais pas s'il y a une autre sortie par ici. Bah non, j'avais déjà été, je crois.
Ok, la réponse est non. C'est à soir si tu donnes un Dodio. Dodio, j'ai déjà. Ah, me dis pas tout, Cerber. N'hésite pas à m'aider quand je galère, mais. En soi, j'aimerais bien quand même. On va y aller comme ça, là. Putain, il s'est barré. Du coup, voilà. Nidorino, on n'a pas. Je veux bien lancer quelques boules, on sait jamais. Me rappelais plus que c'était aussi dur. Astuce, les Pokémon se cachent dans les hautes herbes. Explorer ces zones pour les faire sortir. Ouais, bon, ça. Si tu le sais pas dès le début, quand même. Parc 2, ok. Ça, on s'en fout. Une petite CT. Mon Evoli s'est transformé en un Pyroli. Mais celui d'un ami s'est changé en Aqualiba. Pourquoi? Un recoin du parc Safari renferme un prix. Tu peux garder tous les objets trouvés dans le coin. Mais ne perds pas de temps à tous les essayer. Ah, c'est ça les astuces, tiens. Marcasse-toi. Protéines. Un aéromite. C'est l'évolution du Mimitos hein, qu'on vient de capturer, non? Ah, vous manquez le Pokémon, je suis si nul que ça. Bon, bah, un Aéromite. Ah, qu'est-ce que ça dit? Les motifs ocre de ses ailes changent en fonction de son type de poison. Magnifique, bon bah c'est cool. Astuce, la cabane secrète est tout droit. J'espère que j'ai en. Ouais, ça devrait le faire. Avis, veuillez trouver la dent d'or du gardien. Explorer les environs, récompense assurée. Contactez le gardien. Voilà.
Attends, je peux aussi. Voilà. Ah bah voilà la dent d'or. Là, c'était. Ah, quand même! Tu es le premier à découvrir la cabane secrète. J'avais peur que personne ne gagne notre prix. Félicitations, tu as gagné. Tu n'as pas assez de place. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Qu'est-ce que je peux jeter? Les antidotes, je vais les rejeter encore. Pff, un truc de guérison. Au pire, je m'en fous. Ouais, une potion max. Une CS. Alors, c'est quoi? C'est le. CS. Elle contient surf. On peut mettre Aquali ou Walou. Alors ça c'est cool. Voilà, par contre j'ai trop de chemin pour refaire le tour. Je crois pas avoir de rhinocorne. Manquer le Pokémon. Ça, c'est la loose quand même. Ok, deux fois de suite. Là, ah, t'es sérieux? Mais comment tu peux le manquer? Il est énorme. Roscarvax. Allez. Donc là. Ah. C'est agréable. Ah, j'avais déjà oublié. Nanana. Ah, une pépite, c'est cool. Nidorino. Bon, je lance comme ça sans conviction. Mais. Toute la journée, zéro problème de quoi, mais là ça coupe. Ouais, bah. C'est jamais stable, hein, tu sais. Oh, on a un petit Nidorino. Très agressif, il est prompt à répondre à la violence. La corne sur sa tête est venimeuse.
Ouah, comme il est violent. Ouais non, on va remonter. Ouais, mais le truc c'est que j'y passe je sais pas combien de fois par session sur le PC. Tellement l'inventaire est mal foutu. C'est un des deux 2-3 points faibles du jeu quoi. C'est cet inventaire qui a peut-être une vingtaine de places, grand max. Je dis ça tout loupe. Non, je viens de le lire. Bah, j'espère que ça ira pour toi demain, Scarlett. Y a plus rien à visiter ici, au final. Ah, peut-être là, partir par là. Oui, c'est un Pokémon. Ah non, là, je reviens au début. Rhinocorne. Mais il mange, il s'enfuit. Salaud. Nous, tu auras des dragons. Des mini-dragons, là, tout ça. Ouf, j'ai pas. J'aimerais bien, en fait, les. Parce que. Pour ce qui est des Pokémon, oh, j'ai déjà ce qu'il me faut avec un. Léviator. Léviathan. Léviathan. Putain, j'ai dit n'importe quoi. J'aimerais bien Rhinocorne, bordel. Ah oui, ah voilà. Ah, je suis content. Ça, c'est stylé, je trouve. Avec une ossature 1000 fois plus résistante que celle de l'homme, ses charges sont dévastatrices. Hey, coucou The Office. Bon, on va essayer de choper l'amélioration. Pourquoi pas? Permet de remplir le Pokédex pour pas grand-chose. Bon, pas comme ça, par contre.
Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Une symbiose entre un parasite et un insecte. Le champignon a pris le contrôle de son hôte. Bon, je pense que je peux sortir. De toute façon, j'avais pas envie de m'éterniser là-dessus. C'est surtout la 16 qui est importante. Forcément. Ouais, c'est que des trucs qu'on a eu. Alors, si je dis pas de conneries, il doit y avoir le gardien dans le coin. Je sais plus où exactement. Ah, peut-être. Bon, suffit de lire, de toute façon. Parmanie, rose comme la passion. Paradis des Pokémon, parc safari. Nous avons surnommé le gardien Ramolos. Bah oui, il ressemble à un Ramolos. Est... Je sais qu'il est dans le coin, j'ai trouvé la dernière fois. Maison du gardien, ben voilà. Psy donne la dent d'or au gardien. Le gardien peut remettre son entier. Merci gamin, c'est un peu dur de me faire comprendre. Je pouvais plus travailler, quelle horreur. Tiens, voilà pour te remercier. Ça fait 2 CS. Là, c'était bien utile. Bon, on va ranger tout le bordel aussi. Déjà, elle contient force. Mélofée. Du coup, il me semble que si je dis pas de conneries, ça sera ça. Voilà. Et mon inventaire est plein. Je vais lâcher le. Bon, j'ai passé au magasin. Et on revient. Attends, il y a un magasin dans le coin? Normalement, oui. Il n'y a pas de raison. Shop. Shop est perdu en haut là. Pokémon Stadia. Voilà. On va en racheter une dizaine. Je connais pas du tout, non.
Mélofée. Ah. Nickel. Je crois qu'ils en ont pas besoin, mais bon. Allons ranger toutes les conneries. Ouais, Super Bowl, on peut ranger vu qu'on a des hypers. Ok, flûte à orange, j'en ai encore besoin. Attends. Plus de place pour stocker. Non. Non, non. T'es sérieux? Y'a même. Quelle horreur! Alors même ça c'est limité. Alors qu'est-ce que ça par contre je suis pas super hypé par ce système. Pas très pratique. Pas bien, c'est beaucoup trop important. Ben ouais, mais bon. Ça peut être important, j'ai besoin de place. Non, j'en étais où maintenant là-dedans? Ah oui. Je sais même pas si je vais avoir cette place. Ça m'étonnerait, j'ai pas jeté autant d'objets, je crois. Plus de place. Moi, j'ai enlevé des. Genre ça, je peux jeter. Mais j'y suis là, mon PC! J'y suis, serveur, regarde. Et apparemment, non, c'est pas illimité. Bon, on va quand même. Hop. Bon, en tout cas, on a fait le tri. Et on a découvert le parc Safari. Il y a un petit truc que j'aimerais bien vérifier. Et ça se passe. Si j'ai pas. Bah, je suis pas. Je suis pas idiot, je viens de le faire devant toi, Cerbère.
T'as bien vu qu'il me disait que c'était rempli. Bah apparemment c'est illimité, mais j'avoue que c'est très bizarre. Hein. Enfin c'est pas logique quoi, il y a énormément d'objets dans le jeu et on peut pas tout stocker. Ce que je voulais vérifier c'était un truc par là. Je sais pas si c'est avant. Mais ouais, encore que l'inventaire soit limité. Bon, je veux bien, c'est RPG, tout ça. Mais là, c'est vrai que c'est bizarre. Comment t'es arrivé jusqu'ici? Oh, tu as trouvé ma cache secrète. Prends ceci en échange. Ne dis à personne que tu m'as eu. Et donc, ouais, c'est bien ce qu'on m'avait conseillé de faire pour la dernière cesse. Du coup, j'ai toutes les cesses du jeu, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est cool. Alors, est-ce qu'on a un Pokémon? Ah bah, Julio. Voilà. Ok. Du coup... Tiens, on va essayer directement. Je pense que je peux pas aller là où j'ai jamais été. Ça me paraît tout à fait logique. Enfin, je dis ça, mais en Parmanie, j'ai jamais été, hein, ceci dit. Ah si. Ah oui, Parmanie. Ouais, d'accord, si, en fait, je dis des conneries. On va faire ça. Il y a un truc à faire là-haut. Je crois qu'il y a encore un Ronflex qui traîne. Si je dis pas de bêtises, on va aller vérifier ça. Rentrer chez moi. Pourquoi il y a une surprise? Ah, si je dis pas de bêtises, là aussi j'ai un objet à récupérer. Bon, on ira éventuellement à la maison. J'ai juste un ou deux trucs à vérifier. Ça, c'est cool. Bon, ça fait plaisir, non? Ouais, ok, c'est bien ce qui me semblait. J'ai toujours l'objet. Je l'ai gardé exprès, donc. Chez toi, 7e badge. C'est juste en bas. Ouais, bon, on va faire tout le tour. Surtout que si je passe par en haut, ils doivent être assez vénères, non, les dresseurs. En fait, le but de... Enfin, le but... Ce que je recherche surtout en faisant le let's play avant de me relancer dans le... Dans le speedrun, bah, c'est justement de visiter toute la map. Comme ça, je me rappelle bien des... Bah, tous les endroits qu'il y a. Bah, de toute façon, on passera de nouveau par la maison au bout d'un moment. Vu qu'on va refaire le tour. Voilà. On flex une fois calmé, s'en retourne vers la montagne. Ouais. Donc voilà, là c'est des combats. L'électricité est ma spécialité, vas-y.
J'ai déjà un Ronflex Scorvox. Il y en avait deux qui dormaient. J'ai chopé le premier, donc... Bah non, du coup, non, je l'ai pas capturé, j'en ai déjà. Il y en a un qui dort à l'ouest de... c'est la Doppol, si je dis pas de bêtises. Et c'est ça que j'ai capturé, d'abord. Non mais il y a plein de trucs comme ça, enfin moi, de ce que j'avais gardé de mes souvenirs de gosse quand je l'avais fait, ça je suis sûr et certain que je l'avais fini, ce que tu gardes en souvenir, alors bon toi ça doit dater d'il y a moins longtemps, mais tout est, enfin beaucoup de choses sont faussées quoi, il y avait tellement de trucs que je pensais qu'il se passait autrement dans le jeu, alors que pas du tout. Mon frère, je suis le maître pêcheur, moi dans la vie je suis pêcheur, t'aimes la pêche mon frère? Trop cool, je t'aime bien. Prends cette canne à pêche, mon frère. La méga canne, je crois que c'est la plus grosse. Hein. La pêche, c'est comme la vie. Quand ça mord, ça va. Quand ça mord pas, ça va pas. Et coucou, Yodart. On ne sait jamais ce que l'on peut attraper. T'avais pas le jeu enfant, Cerber, toi? Ah, c'est dommage. Enfin, apparemment, tu t'es rattrapé, donc... Ah, par contre, si tu viens avec des Magikarp, mec... Moi, j'ai fait que celui-là, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, je me pose la question si je fais les autres ou pas. Parce que c'est vrai que... D'y retoucher comme ça, ça m'a donné énormément envie. Toi, tu l'empruntes à ton cousin, je vois. Hop, perdu. Du fer, ok. As-tu trouvé une pierre lune? Eh ouais, j'en... Coucou Krilone, ça va bien toi? Dresseur junior. Allez, viens. Je pensais quand même affronter des Pokémon de plus haut level. En passant par ici. Il y en a un qui a 6 Magikarp, vraiment. Ah, le combat, quoi. Ah, tu travailles demain. Ah, bon courage. Que la musique de ces combats-là, quand même. Bah, les musiques... Je sais pas. Je trouve que les musiques elles sont... qu'est-ce qu'il va dire? Aïe, ok. Je sais pas, pour moi elles sont trop simplistes, c'est pas assez... Enfin moi, je vous avoue que ça commence un petit peu à me prendre la tête la musique, mais bon. Après on va pas couper la musique non plus. Tu les trouves moins bien? Pourtant ils doivent être plus travaillés avec plus de samples et tout, non? Après je sais pas, hein, je connais vraiment pas les autres pour le coup. J'ai vraiment aucune connaissance. Ah, chez Tiflor j'ai déjà si je dis pas de bêtises. Donc
trop. Ah, ok. Faudrait vraiment que j'essaye les autres pour me faire pour avoir un avis personnel, du coup. Enfin, mon propre avis. J'ai trouvé du carbone dans une grotte une fois. Waouh. La découverte. Dresseur junior veut se battre. Mais justement, je réfléchis à peut-être m'acheter une 3DS pour celui qui arrive bientôt, mais j'attends d'avoir une belle offre pour m'en acheter une. Mais c'est dans les projets. Par contre, malheureusement, je pourrais pas streamer. Hein. Le matériel pour le stream, il coûte juste beaucoup trop cher. Mais là, genre vraiment, si je dis pas de conneries, j'ai pas regardé, hein, mais si je dis pas de conneries, ça doit être. Je crois que le matériel coûte 500 boules, je crois. Juste pour pouvoir faire de la DS ou 3DS, quoi. Je trouve ça. Enfin, les mecs sont pas bien, quoi. L'innovant en prix, c'est bien ce qui me semblait. J'ai tout raté. Mais non, t'as pas tout raté. Mais Pokémon Oiseau cherche la baston. Vas-y, viens. Allez. Ornithologue. Bon bah le fait que ce soit facile, au moins on traîne pas trop sur le chemin. Plutôt efficace. Tu m'as volé dans les plumes. Je pourrais nager là, je suis sûr il y a des objets dans l'eau. Pas mal pour une fille, hein. Cinq Pokémon. Du coup, ils sont niveau 24. Pikachu. Et un peu de tout. Ah, un petit level. Perdu. Route 13, le pont du silence au nord. Tu veux te mesurer un moi? Canon. Genre que c'est ta faute, mais ouais, mais c'est ça. Mais bon, je pense que c'est. Enfin, j'adore lire ces dialogues un peu.
un peu hors contexte des fois. Ce qui fait le charme du jeu. Parce que les mecs ils t'agressent direct quoi. Oh, petit voyou. Et si on faisait poké poké tous les deux? Ah, une invitation. Mais what the fuck, quoi? On est d'accord que c'était pas que une invitation à combattre, quand même. On est d'accord, Yoda. De 140 sans la DS. Ah bah c'est pas autant que ce que je pensais, mais bon ça reste un matériel quand même. Hein. En tout cas merci serveur. Fini déjà? Ça veut dire quoi ça? What, tes badges sont trop cool! Bah merci. Un petit tard. Déjà installé. J'ai 770 € quoi. J'en ai assez. C'est le prix d'un PC vraiment correct quoi. Ça, c'est le genre de truc que j'ai complètement oublié de mon enfance, cet endroit. Mes Pokémon tout mignons veulent te connaître. Troisième dernier... Premier tiers. Même avec Vive Attack, il a toujours la pris au son. Hein. C'est bien possible, ça va. Tu m'étonnes. Waouh, je suis morte. Je vais quand même donner un petit coup de super potion. Astuce, regardez à gauche. Ça doit être pour quelque chose, ça. J'aime bien mes Pokémon oiseaux. Ouais, c'est vrai. Ok, ok, t'énerve pas, gamin. Mais moi aussi, je les aime bien. Pour mon Raichu, c'est un peu de l'XP gratos. Surtout, n'hésite pas.
144, ça c'est cool. Oh, ma cage. Comme aller voir là. Un boostiflore. Ce genre de truc que je ne sais plus. Je sais plus si j'en ai déjà. On va le capturer. Boostiflore à capturer. Alors, du coup, on l'avait pas. Il crache de la poudre toxique pour immobiliser sa proie et il lâchait avec de l'acide. Alors, on continue. Le vent souffle par là, cool. Ah, je suis paralysé. Ouais. Pierre feuille pour évoluer. J'ai quelques pierres qui traînent. Mais je dois avoir plein de... Oui, j'ai plein de trucs de toute façon à évoluer. On pourrait faire, parce que c'est vrai qu'il y a des objets à récolter, enfin à récupérer quand tu remplis ton Pokédex. Pourquoi pas? On verra ça un peu plus tard. Mais ça peut être une idée. Ouais, bah j'en avais acheté. Justement, c'est la Dopol, si je dis pas de bêtises. Au grand centre commercial. Hein. C'est à l'époque où j'achetais parce que je pensais que c'était illimité l'emplacement. Ça, c'est vrai que c'est très bizarre ça. Mais je les ai pas achetés, hein, je les ai gardés. Elles sont juste dans mon PC du coup. Le vent a tourné. Très bizarre comme endroit quand même. Utilise des CT pour apprendre de bonnes attaques à tes Pokémon.
Je vais bientôt devoir changer. Il a bientôt plus de PP pour les. Ouais, plus que 2. Bon, c'est pas grave, on passera par Léviathan du coup. Audio. Merci. Ah, c'est bon. Ouais, c'est Léviator. Je confondrai jusqu'au bout. Hein. Léviator, Léviathan. Mes Pokémon oiseaux veulent se battre. Ok. Bon, du coup, on a Léviator. Un petit coup critique. Ah bah, j'étais à la limite de level up. Bon, Léviator, par contre, c'est vraiment un Pokémon solide. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Ils veulent plus. Bah oui, avec tout ce que je leur ai mis. Faut s'entraîner un petit peu. Je venais d'où? Lui, je l'ai pas battu non plus. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Bah, moi, j'allais vers la gauche, mais c'est toi qui m'arrêtes. Hein. Alors. Alors, The Office, t'avances. T'étais en train de travailler de nouveau sur le. Sur Speedrun de Momodo, si je dis pas de bêtises. Il a les mêmes accroches que de mon collège, quoi. Et attends, hein. Déconne pas, hein. Et tu tenteras que le. Tiens, d'ailleurs, je voulais te demander, Zof. Tu tenteras que le Easy Pourcent ou. Tu te réserves les autres difficultés pour un peu plus tard. La fast trap du premier boss. Je vois. C'est déjà bien, tu l'as rentré au moins. Zip, j'ai dérapé. Waouh. Donc du coup ça c'est bon. Donc... Enfin, lui je sais plus qui j'ai. Ouais lui c'est bon. Plus haute plus tard. Ouais je comprends.
On vend des CT à Celadopol, mais seuls quelques élus ont des CS. Je vois, c'est cool. C'est cool. Ça fait plaisir de gagner 1000 exp. Ah, fiasco complet. Ah bah, c'était pas facile, apparemment. As-tu appris à tes Pokémon oiseaux à voler? Eh ouais. Continue. Ah, chute libre. Qu'est-ce qu'il dit? Parmanie à l'ouest. Ouais, donc on a quasi fait le tour, c'est bon. On s'en va, il n'y a plus de place. Ah. Balayé. As-tu entendu parler des Pokémon légendaires? Un artichaut level 33 quand même assez solide, mais pas face à mon Léviathan. Ah, j'ai perdu. Et ouais, je suis désolé. Level 33, c'est nul. Ouais, ouais, je sais qu'ils sont forts à la fin, mais... Combat Pokémon, tremble, Minus. Mais des level 33, j'en ai rarement vu, à part les maîtres d'arène. Enfin, jusqu'à maintenant. Ils vont forcément monter, au bout d'un moment. Enfin, ils montent au fur et à mesure, de toute façon. Pour moi, c'est beaucoup, Eoda. T'imagines pas. Thank you.
Vroom dans le vent. La limitation de la donkey, c'est pas ça. Hein. Je m'y connais mieux. Je comprends plus ce que tu dis. Moi non plus, mais je tente d'établir ma communication. Tout... Ah, vous êtes pas sympa. C'est mesquin. Sérieux, j'étais pas clair. Ah ouais, dans ma tête, c'était clair. Hein. Ouais, mais Draco, ça enlève juste 40 PV, on m'avait dit. Et je pense qu'ils ont beaucoup plus que ça maintenant. Ouais. Pas terrible. Ah bah si vous en êtes conscient, c'est déjà bien. Est-ce que je vais... Je suis en train de réfléchir à ce que je rentre au centre. Je sais pas si je suis loin de... Du prochain centre Pokémon. Ou alors j'augmente un peu Dracaufeu, même s'il est déjà bien haut. Parce que là j'ai bientôt vraiment... Oh, en plein dans ma face, je crois que c'était marqué. C'est... très joli. Je pense qu'on va prendre Draco, hein. Comme ça, on aura fait un peu tout le monde. Il y a quoi là-dedans? On va quand même voir. Non, tu veux pas? Tu peux pas me dire ce qu'il y a dedans? T'es sûr? Quand même. Ah, on peut pas toujours hein. Avoir des trucs de ouf. Bon, y a peut-être d'autres trucs, mais bon. Alors, je suis pas au jeu, mais bon. C'est une énigme, je pense. Ok, oui. T'as gagné, non? Bah oui. Mais ça sert à rien de s'énerver comme ça. Allez, viens. Tu vas voir la tête de tes Pokémon. Ça veut tellement rien dire que... Il y a que ça, il devait bien y avoir un sens caché à ce qu'il essayait de me dire. Ah, t'as fait une tête au carré à mes Pokémon. Eh ouais, je suis un fou.
quoi échanger des Pokémon? C'est cool. J'avoue que j'avance de... Enfin, j'ai fait un long chemin. Et j'ai pas de quoi ravitailler mes Pokémon. Par contre, il y a eu du combat, ça. Je parlais d'échange, pas de baston. Ah bah désolé, pas compris moi. Une CT. Ok. Ah, il y a l'air d'avoir un bâtiment là-haut. Mais bon, là, il y a encore plein de dresseurs. Je pourrais les passer, hein. Vous me direz, mais je pense que les dresseurs, ça fait quand même pas mal d'expérience. Ce serait bête de passer à côté. T'as l'air ami, je dois pouvoir te battre. Ça, c'est méchant. Ah, ça, c'est juste méchant. Même si c'est vrai, ça se dit pas. Alors, pas trop niais, et non. Renin. Oh, t'as un petit genou. Eh ouais. Toujours pas fini, mais ça avance dur. Canon veut se battre. Attends, t'as vu le niveau de mes Pokémon? Alors, vous allez forcément me corriger, mais il me semble que. Si je dis pas de bêtises, au niveau des derniers combos Pokémon, je pense que ça dépasse le niveau 60. Du coup, ça ferait qu'il nous resterait quand même un bon petit bout de chemin, mais on s'y rapproche. Une cougar, eh oui, t'étais mignon pourtant, ouais, c'est exactement ça. Et le mouflet, regarde ça. C'est de l'ordre de 60. Ouais, je crois aussi. Je vais me lancer même dans des paris fous. Mais vu que j'ai vu quand même des runs récemment, et je crois que dans mes souvenirs. Le plus haut est 66. Mais alors là, si c'est ça. Ah, de 53 à 65. Ah, bah, c'est peut-être pas 66. Hein. Mais j'étais prêt si c'est 65. Ton astuce mania. Genre, tu l'as ressorti pour l'occasion, c'est juste trop cool. Tu dois être en train de feuilleter le truc là. Alors, bon, bah t'as vu. Ouais, j'ai vu. La boursouleille.
J'ai souvent sous la main et SES des Crash Bandicoot. D'accord. Mais tu joues souvent du coup? Mais c'est cool, moi aussi j'ai tous mes vieux magazines rangés à un endroit. J'avais les maps des niveaux de Sonic. Sonic 1, je crois. Ça fait tout bizarre. Hein. Enfin, ça a tellement évolué depuis les magazines de jeux vidéo. C'est plus du tout pareil. Hein. Je vais t'amuser à relire un petit peu. Alors tiens, voilà ma bourse. Merci mec. J'ai des Pokémon parce que je vis toute seule. Ça c'est limite triste. Ouh là tu vas bien cramer le petit Bulby. Ah bah ça brûle bien. Eh mais je suis gentil. Ouais les magazines donnaient des jeux mais clairement. Limite. Moi, je me rappelle des fois je les achetais que pour le jeu offert quoi. Et c'était pas... C'était pas des jeux bidons. Hein. Des fois il y avait des gros jeux en plus. Je vais tester les Pokémon que j'ai échangés. C'est comme ça que t'avais quoi Morrowind? Ah ouais, ils l'offraient! Mais du coup, voilà, si t'as eu Morrowind comme ça, c'est que. Ils offraient pas des jeux de merde quand même! Non, moi, Morrowind, faudrait que je vous montre, j'ai une belle édition collector en plus de Morrowind. Avec la carte en. Avec la carte et tout, c'est assez sympa. Et comme un bon pigeon, je l'ai racheté sur Steam. Bon, j'ai dû l'avoir à 1€. Mais... Oh, perdu. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Route 15, Parmanie à l'ouest. Ouais, je dois y être là. Ah, il y a encore un combat derrière. Les oiseaux ont peur, tu es fort toi? Bah, ça va. Les années collège, ça date. Mais ça, c'est un jeu. En fait, il y a tellement de jeux que j'ai envie de me faire. Ah, c'est les jeux, les Dodrio. Il y a tellement de jeux que j'aimerais me faire entre les deux UD, mais. Après, faut être réaliste. Hein. Je pourrais jamais tout faire. Mais y a tellement de jeux que c'est sans fin, quoi. j'ai des idées de jeux jusque dans longtemps si je ferais que ça. T'as eu comme ça le jeu aussi, Scarvox, d'accord. Non, par contre, il y avait pas de figurines. Ça, il me semble que ça se faisait pas encore ce genre de truc à l'époque. Là, je peux peut-être me tromper, mais... Non, il faisait surtout des boîtes assez spéciales. La boîte est assez jolie, d'ailleurs. Avec souvent une carte ou... Ce genre de truc. Avec les mêmes têtes que le jeu, ça aurait été vraiment collector. Ah, les têtes dans le jeu, ouais, j'avoue que... Ça a mal vieilli par contre. Je peux appeler des Pokémon oiseaux rien qu'en sifflant. Des
point and click aventure. Lost Eden, ça serait cool. Je crois que je connais le nom, mais sans plus. Du coup, pourquoi pas. Ce qu'il y aura bientôt en point and click, c'est Phantasmagoria 1. Et on verra si on enchaînera sur le 2, ça je sais pas encore. Mais j'aimerais au moins refaire le 1. Là, je l'ai eu il y a... J'ai eu dans un bundle là, il y a quelques jours. Et je l'ai promis à Execute en plus, donc. Mais j'avais l'intention de le faire de toute façon. Mais là, ce sera pas pour tout public. Un sensible s'abstenir. J'espère quand même qu'on arrive vers la fin. Bah, normalement, oui, le truc est juste à côté. Mais même Dracaufeu il arrive à épuisement au niveau des attaques. J'aurais vraiment fait masse combat quoi. Ça se passe où le Steden en quelques mots Thieb pour voir si. Parce que le nom je le connais mais je sais pas si je connais vraiment le jeu. Oh quelle horreur. Encore. Ah, ça a l'air d'être le dernier. Allez, je veux me battre avec mes Pokémon. Ouais. J'ai encore assez juste pour toi, normalement. Enfin, non, j'ai encore... C'est quoi que j'ai comme attaque? J'ai Griff qui est encore... tiens, on va utiliser un petit peu Griff. C'est avec des dinosaures un peu époque Moyen-Âge. Ah ouais, non, ça me dit rien de plus. Bah, du coup, pourquoi pas hein. Faudrait que je regarde si je l'ai sur Steam. J'ai tellement des jeux obscurs sur Steam que. Ça se trouve, je connais de là le nom. Les humains et les dinosaures cohabitent. L'intelligence humaine. Un sac de nœuds, vas-y. Du roi. Ok, merci Thieb. Je vais attendre un peu. Alors. Ta-ta-la. Tiens, je vais monter là. Salut, tu te rappelles, je suis assistant du prof Chen. Si tu attrapes 50 Pokémon différents, je suis censé t'offrir le multi-exp. Oh, tu n'as attrapé que 39 Pokémon. Il t'en faut 50 pour le multi-exp. Ok. C'est très bien aussi. Même époque, je crois. Ouais, c'est... J'ai des très bons souvenirs de Phantasmagoria. Ah bah on vient pile là, ok. Alors du coup... Et là on va pouvoir descendre avec Surf. Bon, on a vraiment fait un grand détour là. Vache, ça a été long. Plus long que ce que j'imaginais. Et mes Pokémon ont pris 6-7 levels avec tout ce bordel.
39 donc. Alors, eux, je les ai déjà... déjà battu. Alors... Aquali. Ça, je sais plus si je l'ai. Niveau 5. Ah, je vais les remettre dans l'ordre quand même. C'est bien que je le vois maintenant. Ouais, en plus, mettre en... mettre Raichu en premier, c'est une bonne idée ici. La mer, l'écume, les vagues, c'est beau. Alors, du niveau 30. Aïe, t'es pas poète. Qu'est-ce que t'as essayé de me dire? J'aime nager, toi. Mais ça va. En parlant de Phantasmagoria, ce sera sûrement le prochain let's play. Plouf, t'es dans la vague, surfeur. D'où vient le vent? Très efficace. Alors, Glarg, ok, je poserai plus de questions, idiote. Ok. Je cherche des Pokémon dans les grands fonds. Je pensais l'avoir battu, mais non, c'était pas le même.
quoi ce roi? On l'avait pas vu encore, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Glup, je me noie. Ok. Ces eaux sont dangereuses. Hop. Ah, que dangereux. Ah, j'en ai marre de nager. J'avoue, ceux qui partent à la nage, vu la distance, ils s'en foutent. Moi, je suis sur mon Pokémon, peinard, quoi. J'aimerais vraiment avancer sur sur Pokémon pour avancer dans le speedrun, enfin le commencer. Du coup je me demande si, enfin je vais en streamer vraiment pas mal. Bon, demain soir il y a la, je vous rappelle au cas où si vous auriez oublié, mais il y a une blind race sur Batman. De mémoire il y aura moi, TFR, The Office. T'es là, hein, il me semble, The Office de My Scarbox. Il me semble que c'est ça. Et il y aura peut-être Daikena, il m'avait dit que s'il pourrait, il viendrait. Du coup, on sera 4-5 demain sur Batman NES. Ça risque d'être bien drôle. En découverte. J'ai juste essayé le début du premier niveau pour voir si tout marchait bien. Et ça, c'était déjà tendu au premier niveau, donc ah, il monte bien là, hein, Raichu. Mais c'est bien, c'est cool. Idem, t'as testé pour voir. J'en peux plus. Nager c'est cool, couler c'est mal.
J'espère que tu pourras être là demain, Scorlox. Tu me tiens au courant, hein, dès que t'as des news, quoi. Ce serait cool. Comme ça, je peux m'adapter. Parce que j'aimerais bien avoir 4 streams. Sinon, je m'arrange. C'est pas non plus. Plaouf. Et ouais. Alors. La mer est peu profonde ici, n'est-ce pas? Bah écoute, j'en ai aucune idée. Je crois que j'ai presque plus d'éclairs. Hein. On continuera sur des attaques normales après. Mais bon, ça marche tellement bien en même temps. Profonde, c'est dégueulasse. Mais oui, tout à fait, Oda. Wouah, c'est tellement rare. Et toujours pour un tentacool. Bah, t'es sur un Pokémon, tu sais pas nager? Bah, apparemment, non. Allez, dernier éclair. Mais bon, j'ai encore un émetteur. J'ai l'impression qu'il faut pas tant d'exp que ça quand même à Raichu. Ou alors c'est vraiment que j'en prends beaucoup plus sans m'en rendre trop compte, mais. Ouch, je coule. Les îles écumes sont tranquilles. Ah bah je devrais bientôt y arriver, non d'ailleurs. Canon veut se battre. Thank you.
Nien. Ah, je dois y être. Ok. Ah, bah bonne nuit, mon cœur. Mais des bisous, mec. Ah, ça, c'est pas la dernière grotte? Peut-être que je dis des conneries. Hein. Il est cul. Hein. C'est ici qu'on chope les psychoquacks. J'ai peur que la vive attaque soit trop violente, mais bon. Ouais. C'est parfait. Non? Ces gens comme toi qui me prenaient mes princes à la récré. Mais non, dis pas ça. Ah, j'ai un psychoquack. Il distrait ses ennemis avec des grimaces débiles et les attaque ensuite avec ses pouvoirs psy. Oh, intéressant. Ah, coup critique. Ah mais il y en a plein des biens là. Je suis pas sûr que j'ai déjà un Starry. Au fait, j'ai les hyperboules, ça marche direct sur eux, non? En fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ouais, c'est pas très efficace, mais ça marche quand même mieux que... Hop, un Starry. J'en avais peut-être un. Je ne sais plus, mais non. On dirait que non. Alors, Starry, un Pokémon bien curieux qui peut régénérer ses appendices sectionnés lors d'un combat. Parce que sanctionné... Oula, il y a des trous. Le mec. Danger rapide. Ah, toi aussi je te veux. Taria.
Ça devrait suffire. Salaud. Non. Merci Execute. Des bisous. Ouah, j'aurais été dégoûté. Mais bon, là, normalement, je vais pouvoir le choper. Alors, la corne sur son front est très résistante. Elle lui sert à percer des blocs de glace. Mais c'est magnifique. Et je ne veux pas, non, pas de... Les rochers peuvent changer le niveau de l'eau. Des bisous. Le courant est trop rapide, ok. Bon bah... Non mais... Tu vas remonter. Ouais. Ça j'ai. Je pense qu'il y a que ces trois Pokémon là ici. Otaria, Starry, c'était ça et Psychoquack. S'il y a que ça, je vais bientôt utiliser des repousses hein, parce que sinon c'est vraiment gavant. Ici aussi c'est trop. Ah non, là je peux. Je peux, mais je maîtrise pas. Ok. Du coup, j'aurais peut-être pas dû. Ok, ok. Ah merde, mais je reviens là en plus, non? On va s'en sortir, vous inquiétez pas. Je gère. Ah mais... Je vais devenir fou. Yahoo! Qu'est-ce qu'on a là?
Narticodin. 50. Laser fait. Ah, c'est très efficace. Mince. Ouais. Ok, ça c'est cool. Le légendaire oiseau des glaces. On dit qu'il apparaît aux gens perdus dans les sommets. Merci. Ici, je sais plus si c'est bon. Enfin, c'est peut-être bon maintenant. Mais... Je crois que c'est pas là, mais... Ça, c'est tout petit, mais pour moi, c'est un vrai labyrinthe. Un coquillage, c'est ce que j'avais déjà. La griffe, ça va pas le tuer quand même. Ça, c'est possible que j'ai déjà. Eh ben non. Protégé par une carapace très résistante, il est vulnérable quand celle-ci s'ouvre. Ok. Déjà sauvegardé.
On a tout dit, non? Le mec, il est perdu. C'est cela qui me manquait. Non, c'est pas pour aller ici. C'est peut-être pour aller à droite, du coup. Ça marche, Scorax. Voilà. L'écume. Et ben voilà. Par contre, j'aurais un souci. Je me demande si je devrais pas utiliser vol et revenir. Je pense qu'on va faire ça. Parce que là, je viens de voir que j'ai plus de rac au feu. Du coup. On va y arriver. Du coup, il va y avoir un peu de chemin, mais j'ai préféré faire ça. Au moins, c'est safe. Ah mais attends, j'ai pas été le battre lui de toute façon. C'est deux chemins différents au final. J'aime faire la planche avec les poissons.
Oh, ça le tue même pas en un coup. Glargue. Ok. Il y avait encore l'effet repousse. Laissez-moi. Bon, je vais utiliser un dernier repousse, hein, je pense. Ouais. Ça, c'est quand même chiant. Oh. Je n'ai pas de Krabi. Non, pas le coup critique. Ah, au revoir Krabi. Ah. Ah. Krabi, deuxième chance. Oh le salaud. Ça devrait suffire. Voilà. Ces pinces sont des armes très puissantes. Elles lui servent aussi à garder son équilibre. Ok. Donc, retrouvons Satané Chemin. Ah bah c'est là, non? Ok, nous y voilà. T'es en vacances toi aussi? Allez, petit niveau 49.
Non, pas de pitié. Mate un peu mon corps de rêve. C'est beau, hein? Fais un bisou. Pédophile spotted, j'ai envie de dire. Oh mon Dieu. Aïe. Mes oiseaux Pokémon m'ont déposé ici. C'est un peu... T'es un peu... Tu t'ennuies pas ici? Non? Oh, Scorvax. Ouais, le mec, il... J'ai pas été gentil avec lui. Ta victoire sur quoi, Eo? Oh, non! J'ai nagé depuis la croix moisie là. Sur un boss, d'accord. Moi je pensais que les villes là étaient plus rapprochées que ça. C'est vrai que là c'est vraiment des grosses promenades qu'on se fait. Hein. J'ai bu la tasse. Alors, on monte. Mon petit copain m'a offert des perles sublimes. Waouh. Non, mais tu m'étonnes, Eo. Ah, niveau 50, Raichu. Je suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu. Le Crustabri. Ah si, oui si. On l'avait déjà vu une fois. Toujours aussi stylé. Non, pas mes perles. C'est bon, j'ai pas non plus. Il y a un labo Pokémon sur la croix moisie. Le labo, ne serait-ce pas l'endroit où je dois ramener mon petit fossile que je me balade depuis 10 bonnes heures de jeu. Ça serait une bonne nouvelle.
Attends, j'ai pas le temps. Ah bah nous y voilà. Ok, alors. Cramoisi, l'arène Pokémon champion Auguste. Le cerveau chaud chaud. Cramoisi, vive comme les flammes. Ok. On se croise en gros. On se fait attaquer. Oh! Par des Ponyta par contre. J'ai peur de la tuer avec une vive attaque. T'es solide, oui, t'es solide. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ces sabots sont plus résistants que le diamant. Il peut aplatir n'importe quoi en le piétinant. Qu'est cet endroit? Ah, je me souviens tellement plus. À level 91 et 90 à PoE, il y a un level 93 qui est mort cet après-midi. Il était deuxième exécute. Et puis moi, je suis mort aussi. Je suis mort. Bah j'ai pas de gros tas de morve non plus. Mais je vais ressortir d'ici, je vais juste le capturer lui. Ça, je sais pas du tout. Rose Office. Ouais, en plus, je me suis fait avoir par un truc encore débile quoi. Je suis mort level 35. Je suis mort sur le boss du labyrinthe. Et je me suis fait troll, mais vraiment. C'est un truc qui t'arrive qu'une fois, quoi. Alors. Il est recouvert d'une épaisse couche toxique qui laisse une trace empoisonnée derrière lui. Ouais, dommage. Je vais quand même prendre ça. Voilà, j'ai même pas envie de marcher. Voilà, le mec. Toi, t'es reparti. Ah, j'ai eu un moment de doute. Ok. Ça fait pas de mal d'être plein d'objets. Ça fait même plutôt du bien. Alors. Ah, des Hyper Ball. Encore. Et là, des Hyper Potions, ça m'intéresse. Je vais en prendre 15 pour commencer. Voilà. Merci, vos Pokémon ont la super pêche. À bientôt. 47 Pokédex, c'est bon ça. Mais alors là, moi j'ai fait une petite pause de
de 5 minutes. Le temps d'aller me faire un café, tout ça. Et du coup, bah, après, on explorera cette petite ville. Hop. Et on va aller sur le 7e badge. En tout cas, j'espère. Donc, on verra. Bah, je vous dis à tout de suite.